Allez, bonjour tout le monde, c'est Kamel pour une nouvelle vidéo sur Football Manager 19 avec une toute nouvelle série. Donc on est la nouvelle série, elle est sur... Ah c'est bon, je vais vérifier si mon micro est bon. Donc la nouvelle série, ce sera sur Football Manager 19. Donc on repart de 0 pour une troisième fois. Et j'espère que ce sera la dernière fois, on verra. Donc voilà, donc on a décidé, je suis parti en Italie cette fois-ci pour prendre l'AC Milan. Donc la partie, ce sera de remettre l'AC Milan dans les grandes d'Europe. Voilà, c'est quand même l'objectif. Donc l'équipe type, donc pour l'instant c'est Donnarumma. Donc voilà, donc Rodriguez il va partir. Voilà, donc Donnarumma, Calabria, Caldara, Ramonelli, Strinic, Bakayoko, Paqueta, Bertolacci. Et c'est même pas Bertolacci, mais après j'ai changé, j'ai mis Caissier. À gauche j'ai mis Bonaventura dans ma partie. Suso et Cutrone. Donc ça va être ça mon équipe type de l'AC Milan. Donc très bonne équipe, donc vous voyez qu'on va voir les joueurs qui sont observés, donc je vois que donc, lui il arrive. Donc lui il est observé par le Real Madrid, qui est Suso. Cutrone il est observé par Chelsea. Lassat il est observé par Valence, West Ham, Burnley, Retafe. Mori il est observé par beaucoup de clubs. Et Rodriguez normalement il s'en va, oui c'est ça, c'est sûr, il part pour 28 millions d'euros normalement, voilà. Donc c'est ça mon équipe type de l'AC Milan. Donc on n'a pas commencé à jouer. Donc on est présent en Serie A, en Coupe Euro, en Coupe d'Italie, en Super Coupe d'Italie. Donc voilà nos tournois pour cette saison. Donc côté transfert, pour l'instant, donc côté ancien, donc ils ont fait venir Strinic, Reina, Paqueta, Boeni, Caldara, Castillejo, Lassat et Piatek. Ça c'est les joueurs qui sont venus à Milan. Donc ceux-là j'en parlerai le 31 août. Voilà. Côté dirigeant, donc pour l'instant bah, je suis stable, je suis à 50%, c'est normal. Donc financièrement, bah, ça va bien, j'ai 56 millions d'euros. Parce que bon bah, j'ai vendu des joueurs, bah, si je devrais en parler maintenant. Parce que j'ai vendu pour 18 millions d'euros de joueurs ce mois-ci, et même 4 200 000 le mois dernier déjà. Donc je vais vous faire voir ça. Donc ces ventes-là, c'est Abati qui est parti à Southampton pour 4 200 000. Et Biglia qui est parti à l'AS Monaco pour 17 500 000. Voilà. Donc voilà pourquoi, côté revenu, j'ai gagné 5 millions d'euros. Non, j'ai gagné 18 millions d'euros de joueurs vendus et 4 200 000. Ensuite, les droits de diffusion. Donc c'est le deuxième plus grosse plus-value. Donc ce mois-ci, j'ai gagné 5 millions et le mois dernier, 3 800 000. Et les abonnements, c'est le plus gros, c'est le troisième plus gros avec 2 183 000. Ensuite, côté dépenses, le plus gros, bah, c'est les salaires, 4 millions et 6 millions. Ensuite, la prime de fidélité, 2 millions et 1 million. Puis arrive derrière les salaires staff, 850 000 et 565 000. Voilà. Ensuite, projection, bon, bah, on voit que Milan AC sont en train de ils vont monter dans l'avenir. Donc, ils font des sacrées plus-values. Donc, voilà, voilà. Donc bah, je vous ai présenté la toute nouvelle équipe, donc bah, j'espère qu'on va rester là et qu'on fera une très bonne saison avec l'AC Milan. Si vous voulez proposer des idées, vous pourrez me les proposer dans les commentaires. Voilà, donc bah, moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la plus tout le monde.